toutes ces petites histoires qui s'ouvrent sur une grande histoire. Et en fait, le thème d'imposteur, c'est un peu ça. C'est des petites gens qui font l'histoire, des petites histoires qui font la grande histoire. Donc là, c'est Michel Octobre qui joue le rôle de Gabriel Chablais de la Rivière, le père de Julien, de Charlotte et de Sarah. On est dans de l'aventure, on est dans de l'espionnage, on est dans du roman historique, mais aussi dans de l'anticipation. On pourrait aussi y voir une référence au steampunk. L'idée, c'est Vidocq, le personnage de Vidocq, au pays de Jules Verne, sachant que Jules Verne n'existait pas en 1825, parce que tout se passe en 1825. Ça commence en janvier 1825, ça finit en décembre 1825. Un œil dans le lointain, une profondeur de l'histoire qu'on va retrouver dans l'œil finalement. Ça peut être soit ce genre d'expression.